Hello la famille, j'espère que vous allez bien, que tout se passe méga super bien de votre côté. Alors déjà, je tenais déjà à m'excuser pour la voix, je suis un peu malade, un peu grippée, donc désolée, mais bon, je tenais vraiment à partager cette astuce avec vous. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble l'un de mes meilleurs jeux détox pour avoir un ventre plat. Franchement, les filles, ce jeu marche de ouf. Ça m'aide énormément. Si tu ne le sais pas, moi, après ma grossesse, j'ai pris beaucoup de poids au niveau... En fait, j'ai accumulé beaucoup de graisse au niveau de mon ventre. Et ça, c'est le jeu que je me fais régulièrement. Et honnêtement, je perds énormément. Alors, ce jeu... Alors, pour notre jus, on aura besoin des tiges de céleri, de pommes vertes, d'un concombre, du gingembre et du curcuma. Bon, moi, je n'avais pas du curcuma frais, je suis allée sur du curcuma moulu. Alors, du curcuma en poudre, en fait. Alors, ce que je vais faire, puisque mon concombre n'était pas bio, je vais juste venir enlever la peau. Mais si vous trouvez du concombre bio, je vous conseille vraiment de faire ce jus avec la peau du concombre pour bénéficier de tous ses nutriments. Alors, si tu ne sais pas, le concombre est constitué pratiquement de 80% d'eau. Ça va nous offrir un effet désaltérant et diurétif. Donc, c'est vraiment trop bien pour la perte de poids et tout. Alors, le prochain ingrédient que je vais utiliser, que je vais découper ici, ce sont les tiges de céleri. Alors, ça va venir faciliter l'élimination des toxines. C'est très riche en vitamine K. Ça a un effet purifiant et désacidifiant. Ok. Alors, quant à la pomme, généralement, on vous dit, quand tu fais peut-être un rééquilibrage alimentaire, on te dit quand tu as faim et que vraiment tu veux quelque chose de rassasiant, tu vas utiliser une pomme. C'est un super anti-cholestérol qui favorise la perte de graisse. Bon, la pomme, vous pouvez utiliser, je suis allée ici sur une pomme verte, mais vous pouvez également utiliser n'importe laquelle quoi que vous trouvez sur le marché. Le gingembre, ce n'est plus à présenter. Le curcuma également, ce n'est plus à présenter. On sait que ce sont des super anti-inflammatoires, antioxydants. Alors, je vais venir mixer tout ça, mais si tu as une... Mais si tu as un presse-jus, on appelle ça comment encore en français? Je crois que c'est presse-jus, quelque chose comme ça. Donc, si tu as cet appareil, tu peux également l'utiliser. Alors, ici, je vais utiliser du thé comme eau. Donc, ça, c'est du thé vert qui a ce côté rassasiant. Ce côté, c'est très bien aussi pour la perte de poids. Donc, au lieu d'utiliser de l'eau, je vais plutôt mettre... mon eau de thé quoi. En fait, c'est une très très bonne astuce les filles. À chaque fois que vous faites vos jus de perte de poids, élimination des graisses et tout, je vous conseille toujours d'utiliser à la place de l'eau un thé, surtout le thé vert. Donc là, j'utilise du thé vert et après je vais juste venir mixer. Donc j'ai mélangé tout, je viens maintenant mixer. Et ce que je vais faire après, c'est juste venir tamiser pour enlever tous ces... Désolée. En fait, je vais venir tamiser tout ça. Alors, je vais venir tamiser pour avoir un jus lisse et plus facile à digérer. Alors, à la fin, je viendrai ajouter le citron. Oui, je pense que j'ai oublié de mentionner cela au début de la vidéo. Oui, tu vas utiliser un demi-citron. Et en fait, à propos aussi du curcuma, j'ai utilisé l'équivalence d'une cuillère à café de curcuma pour la quantité que je vous ai présentée. Donc, je suis allée sur 4 tiges de céleri, un concombre, un gros concombre, un demi-citron,
Quoi d'autre? Deux pommes vertes que j'ai utilisées, mais vous pouvez également aller sur une pomme rouge, peu importe la couleur que vous voyez sur le marché. Un demi-morceau de gingembre. Et voilà, voilà, c'est tout franchement pour cette recette. Les filles, si vous voulez perdre du ventre, je vous recommande ce jus détox. C'est magique, c'est un jus super purifiant, désacidifiant, qui va te permettre de perdre le poids, mais d'une façon extraordinaire. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux le prendre. Tu peux prendre ce jus tous les jours, le matin après ton petit déjeuner, à midi comme après sous forme de collation, et le soir avant d'aller te coucher. Alors, tu peux également te faire des cures de 1 à 3 jours afin de nettoyer ton organisme en profondeur et de détoxifier ton corps et de remettre vraiment ton système digestif au repos pour un bon fonctionnement et retrouver ta vitalité. Alors j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche-moi des pouces bleus en l'air, like, partage autour de toi, ça peut aider. Et surtout, laisse-moi également en commentaire quel est le jus que tu te fais régulièrement pour garder la forme, pour trouver la vitalité. Et je serais vraiment ravie de te lire et d'essayer vraiment certaines de vos astuces. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, vous connaissez le mot magique, on reste positive. Ciao ciao, bye bye. Et j'allais oublier, abonne-toi pour plus d'astuces. Bye bye.